je suis à la langoustine depuis 6 ans. Et donc c'est une pêche qui représente en gros 80% de mon chiffre d'affaires à l'année. La langoustine est au cœur de mon métier. Ouais. L'important, c'est quand même de vraiment évaluer au plus près le stock pour justement pouvoir gérer les quotas par OP et qu'on puisse, notamment ceux qui travaillent à l'année la langoustine, pouvoir faire toute leur année sur ce métier. Alors, l'évaluation du stock de langoustine se fait avec ces programmes, entre autres Langage TV est vraiment un programme exemplaire dans le partenariat, dans la connaissance, mais aussi dans le partage de la connaissance empirique avec les professionnels. Langage TV est quand même sur une des espèces emblématiques de la Bretagne, mais du golfe de Gascogne. Donc il est important pour que les entreprises de pêche et pour les pêcheurs puissent avoir une exploitation durable du golfe de Gascogne, d'avoir une meilleure connaissance sur la langoustine, d'avoir une meilleure connaissance aussi entre les scientifiques et les professionnels, et pour cela d'avoir une meilleure décision qui permet d'avoir une pêche durable sur les années à venir. Donc jusqu'à 2013, les stocks de langoustines du golfe de Gascogne étaient étudiés au sein du CIM par des modèles qui était basé sur ce qui est appliqué sur le poisson, pour lesquels on a une définition précise et fiable de l'âge des individus, ce qui n'est pas le cas des langoustines comme pour les crustacés en général. Cette méthode a été abandonnée parce qu'elle ne fournissait que des tendances pas très précises sur l'évolution du stock, au profit de l'usage de la vidéo sous-marine, des comptages des terriers. Et la première campagne de vidéo sous-marine a eu lieu en 2014. Et depuis, elle se poursuit en routine. Elle a permis d'échanger les modèles d'évaluation du stock de langoustines et la précision pour les propositions de TAC et des quotas, c'est-à-dire des captures autorisées chaque année. Vu que la langoustine, ça représente une part importante de notre pêche, il est nécessaire de l'envisager sur la durée. Et pour ça, effectivement, il faut savoir ce qu'on peut prélever de manière durable. Donc d'avoir une estimation correcte du stock, ça paraît primordial. C'est important que ce soit une démarche collective, parce qu'on en est les premiers bénéficiaires, ou alors on en sera les premiers punis si on endommage le stock. Donc c'est important, effectivement, que chacun prenne part à sa hauteur aux travaux de l'Angleterre TV. La campagne Langolfe TV 2018 a lieu du 19 avril au 2 mai. Cette campagne se fait sur un navire de la PEO irlandaise, donc le Celtic Voyager, qui est un navire de 31 mètres. Pour décider des points que nous allons faire en vidéo, on est parti d'un point tiré aléatoire dans le golfe de Gascogne. Donc on a tous les points qui apparaissent ici sur la carte et sur la grande basière. Pour faire cette campagne, on est 6 scientifiques à bord. On travaille 24 heures sur 24, par quart de 4 heures, en binôme. Donc. Voilà donc le traîneau qui nous sert à faire nos observations vidéo, c'est la campagne Langolfe. Et donc sur ce traîneau, donc, on a deux caméras. Une qui va nous servir proprement à faire nos observations. Et ce traîneau est équipé de deux lasers qui déterminent les 75 cm de largeur entre lesquels on va faire nos lectures. Donc sur chaque station vidéo de la carte, on va faire une acquisition qui va durer 10 minutes. Voilà. On a deux opérateurs, les deux opérateurs qui sont de quart, un pilote et un qui note. Et donc, à eux deux, ils doivent être capables de nous dire à peu près combien de terriers ils ont vu en direct. Une fois que les données sont acquises, après, c'est l'atelier lecture. Les DVD vont être lus par deux lecteurs différents. Donc, sur chaque DVD, on va avoir 5 stations à la suite. Et chaque station donc, sera lue minute par minute. Donc, on compte les langoustines qu'on voit à l'extérieur se promener sur le fond. On compte les langoustines qu'on voit dans leur terrier. On compte tous les terriers de langoustines. Alors c'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas que les terriers de langoustines. On a aussi toutes sortes de bestioles frisseuses qui font leurs terriers.
le plus difficile étant de bien faire la différence entre les taille langoustine et les autres. À l'issue de cela, les résultats sont comparés entre les deux lecteurs et il faut que les deux lecteurs soient d'accord. Alors, j'ai embarqué 3 jours sur la saison 2018 sur le navire Celtic Voyageur. L'importance de cette campagne, enfin de mon rôle, d'observer justement ces scientifiques, c'était de pouvoir comprendre leur travail. Pour moi, c'était important d'aller voir comment ils travaillaient, comment ça se passait sur le top, comme on dit en mer, et d'échanger, surtout d'échanger. On extrapole de la surface de chaque station à l'ensemble d'une zone qui est la totalité du golfe de Gascogne, et on corrige ce nombre de terriers par des facteurs de correction liés aux conditions de visibilité. Il y a aussi un autre facteur qui est lié à l'éventuelle présence de galatées qui ont l'aptitude de coloniser temporairement des terriers et des langoustines qui, dans ces cas-là, ne sont pas habités par des langoustines, par autre chose. Mais pour le reste, l'hypothèse de base, c'est qu'un terrier contient un individu. Pour évaluer le biais qui peut exister sur l'évaluation du stock de langoustines, il a été demandé par le comité de pilotage du projet Langolf TV d'avoir les connaissances empiriques des professionnels de la pêche, des langoustiniers du golfe de Gascogne, sur les interactions entre la langoustine et la galatée. J'ai renseigné un petit peu, j'ai essayé d'aider un peu sur les zones où il y avait plus de concentration en langoustine ou en galatée. Les principaux résultats obtenus par ces enquêtes auprès des langoustiniers du golfe de Gascogne sont qu'on retrouve des zones sur lesquelles on ne trouvera jamais de galatée. Quelle que soit l'année, la saison, il n'y aura que de la langoustine à pêcher. Et il y a des zones où on trouve des mélanges de langoustine et de galatée. En gros, la capturabilité de la langoustine est inverse à celle de la galatée sur les zones où il y a un mélange de galatée et de langoustine. Le facteur qui peut expliquer qu'il y ait des zones avec galatée et des zones sans galatée sont difficilement identifiables. Par contre, il y a une présomption par rapport au substrat. Les données de la campagne Langolf TV ont également servi dans d'autres projets scientifiques, comme le projet Tetris par exemple, qui visait à recenser la biodiversité sur la Grande Vasière, mais aussi à regarder quelles étaient les principales variables environnementales et de pression de pêche qui structuraient cette biodiversité. Dans le cadre de ce projet, on a revisionné les vidéos acquises lors de la campagne Langolf TV afin de déterminer quels étaient les différents individus présents sur la Grande Vasière et de les affilier à une espèce ainsi que de compter leur nombre. Il est important de retenir, c'est qu'en ayant ce genre de programme, on peut dès aujourd'hui dire qu'on est dans une des pêcheries les plus encadrées, les plus suivies, mais aussi les mieux gérées.